Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de colis des éditions, je suppose, Manabook. Je dis que je suppose tout simplement parce que l'étiquette d'envoi ne me dit rien. Et étant donné que j'ai eu qu'une seule fois un colis des éditions Manabook, je pense que ça me dit quelque chose. En fait, l'étiquette me dit quelque chose, mais en même temps, elle me dit rien. Donc je pense que c'est Manabook. Et sinon, j'ai fait mes cheveux donc rouges avec des pointes vertes. Ne jugez pas trop, le vert, il est un peu fade. Faut que je le repigmente prochainement, mais pour l'instant, voilà, ça attendra la semaine prochaine pour vous et pour moi. Donc, on a deux colis à ouvrir, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà. Donc, on va découvrir tout ça. J'ai juste préouvert comme d'habitude avant de commencer la vidéo pour pas faire trop de bruit, pour pas perdre de temps là-dessus, etc. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quel est le manga décidé sur Manabook que vous aimeriez lire, ça me ferait très plaisir de découvrir ça. Donc, ok, donc là c'est un grand. C'est donc le one shot. Ok. Ah, c'est un one shot. Ok. Mais donc c'est Assassin's Creed Forgotten Temple. Ouais. Je suis toujours nulle en anglais. J'adore. Alors, l'illustration est juste divine. J'adore l'écriture parce qu'elle brille et voilà, et donc il y a un petit effet, etc. L'arrière est assez simple. Mais le problème, c'est que si on m'avait demandé avant d'envoyer, bah, j'aurais passé mon tour parce que donc le jeu vidéo, j'ai jamais joué. Mais surtout, le film humain, je ne l'ai pas accroché. Et j'avais déjà lu un Assassin's Creed, je crois que j'avais lu que le tome 1. Et j'avais pas non plus accroché, donc c'est un petit peu dommage parce que ça aurait évité un envoi. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? On a un petit... ça j'aime bien, je trouve ça mignon. Donc, découvrez la suite de l'histoire de Assassin's Creed Black Flag. Donc déjà, il faudrait que j'ai lu Black Flag pour pouvoir lire celle-ci. Synopsis, Edward Kenway, je suppose, reprend la mer pour une aventure inédite en Asie. Oh! Plongé au cœur de l'action en quête d'un mystérieux trésor, dans cette course palpitante d'assassins et de templiers, ne sont pas les seuls à convoiter ces richesses. Embarqué aux côtés du plus astucieux des pirates, dans un péril épique à travers la mer de Chine, le tome 1 sera disponible du coup le 5 septembre, donc c'est passé parce que j'ai mis trop de temps aussi. Alors je précise que moi le jour où je filme, on est lundi de la semaine où toi tu vois la vidéo et j'ai reçu samedi. Donc titre Assassin's Creed Forgotten Temple, date de sortie 5 septembre, pardon, prix de 12 euros. Voilà, voilà. Donc ça, bah, alors on va quand même parler du dessin. Ah, c'est en couleur! Ok. Je m'y attendais pas, tout simplement. On va attendre qu'on voit... Oh, joli. Ouais, j'essaie juste de vous montrer surtout le blond, là. En fait, j'ai du mal avec Assassin's Creed, parce que si j'ai bien compris, d'ailleurs, on le voit là... une histoire de présent et de passé, de présent, passé, etc. Et j'ai un petit peu du mal avec ça. Ah voilà, tu vois. C'est ça que j'avais pas aimé du tout dans l'aspect du film. Si j'avais du mal à tout saisir quand c'est des trucs comme ça, je trouve ça embrouille à mort mon cerveau. Donc voilà. Il y a cette page là pour terminer. Donc voilà, donc c'est très gentil Manabook, mais je crois qu'il faudrait que je communique peut-être avec certaines maisons d'édition pour dire vraiment les titres ou les auteurs qu'il faut mieux ne même pas m'envoyer parce que là, voilà, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, si vous êtes influenceur et que vous recevez aussi des colis presse, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites du coup dans cette situation. Qu'est-ce que vous faites du manga? Est-ce que vous l'offrez à un ami? Est-ce que vous le mettez en concours? Est-ce que vous le mettez de côté? J'en sais rien, mais là je sais que j'ai deux amis potentiellement à qui je pourrais l'offrir. Je pourrais aussi le mettre en concours, hein. J'ai déjà fait une fois comme ça, mais c'est vrai que je ne sais jamais quoi faire en fait dans ce genre de situation. Bref, on attaque avec le deuxième colis en espérant que ça soit quelque chose qui m'intéresse un peu plus cette fois-ci. De manga, ok.
Ah, trop cool! Donc là aussi, j'ai un petit flyers, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est très bête, hein, parce que. Mais voilà. Alors, hop! On a les tomes 1 et 2 de My Love Story Wise. Wise. Je l'ai bien prononcé, l'INSEE. Yamada Ken at level 999. Ouais. Voilà. Donc ça, j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps justement mon avis en extrêmement engagé, j'achète ou pas, et j'avais dit que l'histoire avait l'air plutôt sympa et j'avais envie de voir ce que ça peut donner. On va reprendre depuis le début, je vais te montrer déjà cette page-là. On va faire cette page-là parce qu'on voit bien sa copine. Ici, on voit un petit peu le jeu vidéo parce que donc du coup c'est une jeune fille qui joue au jeu vidéo et qui va rencontrer un garçon aussi dans le jeu et elle va le retrouver aussi en vrai au tout début de la série. C'est lui. Voilà. Alors, en ce qui concerne le résumé, dans un donjon comme en amour, il faut être prêt à parer les coups. Akane vient de se faire larguer par son petit ami qui l'a trompé sur un jeu en ligne. Donc en fait, il était sur un jeu, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et voilà. Le cœur brisé, elle décide de se connecter sur le jeu auquel ils avaient l'habitude de jouer ensemble et elle se défoule sur des ennemis de bas niveau pour évacuer sa tristesse et se changer les idées. C'est là qu'elle rencontre Yamada, un joueur de sa guilde avec un avatar pour le moins atypique. Elle se confie à lui sur sa récente rupture amoureuse, mais il se montre froid et semble pas vouloir discuter avec elle. Plus tard, Akane se fait belle et se rend à une convention de jeu dans l'espoir d'y croiser son ex-petite amie et de lui faire regretter de l'avoir quittée. Elle tombe alors nez à nez avec un beau jeune homme qui, avec son attitude froide, lui rappelle étrangement Yamada. Voilà. Donc c'est un manga qui me... Éditeur connu. Non, rien. Donc du coup c'était un manga qui m'avait fortement intéressé, que je trouvais plutôt sympa au niveau de l'idée. Donc du coup j'ai très très hâte de le lire et de savoir ce qu'il peut donner en réel. Et surtout je trouve ça cool c'est d'avoir eu donc les deux premiers tomes. En ce qui concerne donc l'affiche info, oh elle est vachement sympa, j'aime vraiment trop. Regarde-moi ça. Alors je me mets comme ça un petit peu pour que tu puisses avoir le temps de mettre pause. Je suis pas sûre qu'on pourra lire mais au moins tu puisses admirer le travail. Parce que ça aussi c'est du travail édito. Voilà, donc on a le titre, nanana, prix 7,95 €, nombre de tomes, 9 tomes toujours en cours. Ça c'est bien parce que comme ça je peux te faire une partie très détaillée et tout ça. La date de sortie sera pour le 19 septembre. Je pense que je vais regarder dans ce que je voulais vous présenter et je pense que je vais faire sauter une vidéo Yaoi avec deux titres au pire et je vais essayer. On est le 9, ouais, je vais essayer de faire ce que je peux pour la sortir le plus rapidement possible. Ce sera peut-être pas le 19 même, mais ça sera assez proche de la date. Voilà. Ben voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo ouverture de colis des éditions Manabook. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à me dire lequel de ces deux titres t'intéresserait le plus toi. Et donc pour les collègues influenceurs manga, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites dans cette situation du coup quand vous recevez un titre qui ne vous correspond absolument pas. Je le répète, vraiment, vraiment, vraiment. Là, ben, je ne le lirai pas parce qu'en plus, il faudrait avoir lu les autres et donc du coup, non, ça passe pas du tout. Bref, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te mets ici la précédente vidéo, donc c'était une vidéo extrêmement engagée, achète ou pas spéciale Manabook, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour accéder à tous mes liens de tous mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur la chaîne EB World, il y a une nouvelle catégorie qui vient de popper depuis 2 semaines. Sur ce, à bientôt!